Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 19 octobre. Alors, le sujet d'aujourd'hui est que s'est-il passé hier avec le lancement de Klima, K-L-I-M-A, qui était très attendu, qui avait lieu pour nous à 16h, heure de l'Est. On va voir ça dans la vidéo d'aujourd'hui et beaucoup plus, mais avant tout, les marchés, à quoi ça ressemble? Bitcoin 62 306, Ethereum 3810, notre XRP ici qu'on aime tous, mais qu'on déteste en même temps à 1,09 $, parce que les gens disent que ça monte pas assez vite, hein. Soyez patients, hein, c'est un investissement à long terme, XRP, il faut être patient. Fiatly qui est 1,09 $, présentement le prix du XRP va nulle part, les marchés sont plutôt bullish, 57 gagnants, 8 perdants. Ouma, KSM, Kusama, 9%, One Inch, Atom, les grands gagnants, pour cette heure-ci, 9h05, heure de l'Est. N'oubliez pas que si vous voulez protéger votre crypto, faites confiance à Decent, je suis partenaire avec eux, 109 $ au lieu de 160, vous économisez 50 $, mais n'oubliez pas qu'il y a des frais de douane et des taxes à payer. Alors, soyez au courant de ça, parce que des fois, les gens sont déçus parce qu'ils payent 30 $ de douane, là, puis ils m'écrivent. Mais que voulez-vous, hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on a une empreinte biométrique ici et vous mettez toute votre crypto là-dessus et vous allez pouvoir dormir en paix, comme on dit. Un investissement qui vaut le coup. Let's go! C'est parti! Alors, n'oubliez pas aussi, hein, que Olivier, il est sur Twitter, hein, Olivier underscore XRP. Venez me suivre, venez me poser des questions. On commence. Klima DAO. Ça, hier, il y a beaucoup de gens qui attendaient, hein, ce protocole-là. Mais il y a eu des mauvaises surprises. Il y a eu quelqu'un qui a essayé de scammer. Il y a eu quelqu'un ensuite dans l'équipe de développement qui s'est planté. On va voir tout ça. Je vais vous faire un beau résumé clair, net et précis. Alors, un, allez vous montrer à quoi ressemble un peu Twitter, leur page, 23 800 followers. Ils ont un Discord qu'on va voir tantôt. Climadao.finance, c'est leur site où ce qu'on va pouvoir aller staker des climats et gagner par la suite à chaque rebase, là, c'est à chaque 8 heures, comme la plupart des endroits, un pourcentage élevé, un peu comme OHM, un peu comme Wonderland, un peu comme tous les endroits où ce qu'on peut staker quelque chose et avoir un pourcentage à chaque 8 heures qui est auto compound, qu'on appelle, là, qui se fait seul sans notre aide, pas obligé de faire aucune action. Très, très, très à la mode. C'est OHM Olympus DAO qui a lancé le bal, qui est le leader dans tout ça, là. Par la suite, il y a des espèces de fork ou des gens qui font des projets similaires. Donc, Klima ici, qui est très intéressant par rapport au carbone crédit. Avant que je vous montre plus, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous conte l'histoire super rapide. C'est que quelqu'un a eu le lancement à 4 heures, il y aurait quelqu'un qui aurait été sur Klima, qui est le site, et que lui, il aurait, parce que sur Klima, avant tout, là, je vais juste vous montrer un truc. Quand on stake ici, là, on peut faire bond carbone. Et il y a deux pôles ici. BCT, qui n'est pas Bitcoin, là, BCT, Bitcoin Trust, avec Klima, un liquidity pool, et on a aussi BCT USDC. Il y a quelqu'un qui a créé un pool, mais pour scammer. Alors, les gens pensaient que c'était ce pool-là, et ceux qui ont été là-dedans, ils se sont fait probablement avoir, et la personne a déjà été identifiée et tout. Et ça fait en sorte que ça l'a retardé de pratiquement 1 heure le lancement, et même je dirais 1 heure et demie. Mais en plus de ça, qu'est-ce qui est arrivé d'autre? C'est que quand que il y a eu le premier bloc qui a commencé, hein, un epoch, qu'on dit, au lieu de commencer le epoch sur la blockchain à 0, à 1, le développeur s'est trompé, il a commencé le bloc à 0. Ce qui a fait en sorte que les gens qui venaient ici pour staker, OK, comme ça, pour staker comme moi j'ai fait, ben, ils voyaient pas leur montant qu'ils ont investi.
Alors, je l'ai causé vraiment beaucoup de colère, beaucoup de haine envers le climat, beaucoup de tous les mots là, qui existent quand que quelque chose nous arrive et qu'on n'est pas content. Okay? Moi-même, j'étais derrière mon écran à 4 heures, il se passait rien, 5 heures, j'apprenais comme tout le monde, là. Mais j'ai pas eu le choix, j'ai attendu. Et finalement, j'ai fini par perdre, pas confiance, mais diminuer mon risque beaucoup. Alors, j'ai seulement mis 0.25 climat au lieu d'en mettre un là, comme que je voulais faire, à peu près. Alors, j'ai juste acheté 0.25 climat, ce qui est pas énorme, mais le prix est très élevé déjà. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Les pourcentages, on verra ça dans tout. OK? Je vais suivre la méthode que j'avais pris, toute déjà déterminée, pour avoir une certaine logique. OK? Alors maintenant, vous avez vu votre leur site. Climat, une monnaie numérique adossée au carbone et un protocole climatique algorithmique. Je vous dis, c'est sûrement un excellent projet. Même si je suis pas un conseiller financier, je le répète toujours, vous devriez peut-être y apporter attention parce que ça risque d'être plutôt populaire. Hein, tout ce qui est de crédit carbone, là, c'est un truc d'avenir. Et les entreprises qui vont pas se soumettre, hein, ils vont payer cher et ils vont devoir acheter hein, de quelqu'un qui va leur vendre cher. Alors, les pénalités qui vont être impliquées, et ça va faire en sorte que les gens, les entreprises vont vouloir s'orienter vers des endroits comme ça. Peu importe, ça c'est un autre sujet. Là, je ne suis pas là pour vous parler des crédits carbone, je suis là pour vous raconter l'histoire de qu'est-ce qui est arrivé hier. Ils ont un Discord, bien entendu, c'était la frénésie hier ici, il y avait beaucoup de gens qui étaient complètement perdus. Et la méthode est plutôt simple, mais en plus je vais vous montrer comment faire pour récupérer vos S-climat. C'est juste que les gens qui sont pas tellement techies, qu'on appelle le tech, t'sais, tech, technologie, tech, techie, c'est une expression, ben, ils vont devoir faire une manœuvre qui est très, très simple, mais qui est très plate pour ceux qui sont pas du tout techie. Bon. On peut commencer ici. Ma petite présentation que j'ai mis. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est simple. Staker, unstaker, il n'y a pas de limite. Vous pouvez mettre le montant d'argent que vous voulez. Ensuite, vous pouvez unstaker quand vous voulez. Pas besoin d'attendre une période qui est barrée. Ça, c'est construit sur Polygon. Alors, pas de frais. Pratiquement, peu, là. C'est comme une scène, deux scènes, trois scènes, des choses comme ça. Vraiment pas dispendieux sur Polygon. D'ailleurs, Polygon va être hein, le prochain node que Stromblock va avoir la possibilité de construire là, pour eux autres. D'ici peut-être quelques jours ou quelques semaines max. Juste pour vous dire qu'il est Polygon. OK. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? Quand on s'en va pour faire la transaction, il faut aller sur SushiSwap. OK. Ça prend des USDC. On change des USDC pour avoir du climat. Le bon numéro de contrat, il est facile à trouver, là. C'est très, très simple. OK. Oui, je suis connecté ici avec Polygon, Matic, sur mon compte MetaMask. OK, MetaMask. Je suis connecté ici Polygon. J'ai un peu de Matic, même plus qu'est-ce qu'il en faut pour le gaz. J'ai des USDC ici que j'ai pas acheté. Et mes climats, j'ai acheté 0,25 qui se sont maintenant dans des S-climat, un coût qu'ont les stakes. Vous voyez, 0.25. Là, on voit que avant qu'il y ait un rebase, 4 heures, 2 minutes, next rebase, 0.63%, retour sur 5 jours, 9.19. Le APY est extrêmement haut. Présentement, il ne va pas rester comme ça éternellement. Là. 99 000. 99 000%, no joke. Un peu comme quand OHM a décollé, mais j'étais pas au début d'OHM, malheureusement. Alors, c'est sûr, je regrette de ne pas avoir acheté plus que 0.25, là. Puis, je vais abstenir d'acheter parce que présentement, le prix, il est trop cher. Regardez, 2 063 $ pour climat d'AO. No joke. Ça a commencé ici à 1087. Ça a descendu rapidement à 600 pour jamais revenir en arrière. Ça a monté à 11 800. Ça a redescendu à 1200. Un market cap de 541 millions. Imaginez en moins de 12 heures. Et là, le prix se stabilise à 2000. Et tant qu'il redescend pas, moi, à peu près ça, là, 1200, je vais pas en racheter. Mon argent est en attente ici, là.
un autre petit 462$ à acheter. Sinon, ben, je vais m'étouffer, comme on dit, avec mes 0,25S climat. D'accord? Alors, pour swapper, comme j'ai dit, je vous l'ai montré tantôt, c'est simple. Juste assurer d'avoir le bon contrat ici. On peut le marquer l'adresse du contrat dans la barre et ça va le trouver pour nous. Comme par exemple, si je veux racheter présentement avec mes USDC, mes 462$ qui sont ici, ben j'aurais juste besoin d'appuyer ici, j'aurais 0.22. Mais là, 0.22, c'est pas beaucoup, là. Ça me revient cher. Est-ce que je fais une gaffe de pas en acheter? Peut-être. Ça, c'est à chacun pour soi. Hein. On va voir. Ça se pourrait que j'achète pareil à ce prix-là. Qui sait? C'est pas vraiment important, mais sachez que avec cette espèce de pourcentage-là, même si vous n'avez peu, votre 0.25, c'est 300 quelques dollars d'investissement, là, va devenir quand même très, très, très élevé. Vous allez sûrement doubler votre montant d'argent en un mois, facilement, avec un pourcentage élevé même, là, c'est clair que c'est plus que doublé en un mois. Ensuite, je vais vous montrer le contrat de climat. OK. Ça, c'est le contrat de climat. La manœuvre que vous devez faire à cause de l'erreur du développeur, là, je parle pas de l'erreur du scam que la personne a faite pour essayer de profiter hein, du lancement et de mettre ici un pool de BCT, là, Bitcoin Trust, climat, puis que les gens, ils ont été mettre leur argent là-dedans. Je parle pas du scam ici qu'il y a eu. Je parle, moi, de comment, dans le fond, utiliser le claim dans le contrat pour être capable de connecter son portefeuille, entrer son adresse ici, qui est toujours votre adresse MetaMask, vous la prenez et vous l'écrivez ici, OK? Écrivez votre adresse ici, peu importe, là, c'est quoi. Vous faites write. En faisant write, automatiquement, après quelques minutes, même pas, vous allez pouvoir retourner sur Stake Climat et quand vous allez faire un refresh, là maintenant, vos S Climat vont apparaître. Ça, c'est pour les personnes qui ont voulu acheter hier et que on voyait pas nos stakes ici. Après avoir fait approuver, après avoir staké, on voyait pas notre montant, on voyait juste des zéros. Alors, si c'est votre cas, que vous avez acheté hier et que vous savez pas comment faire pour voir vos S-climats et que vos S-climats ici, ça marque zéro, vous allez aller ici dans l'adresse que je vais mettre dans la description et marquer votre adresse connectée en premier, hein, connect to Web3, là. Vous devez absolument aller ici, connecter votre portefeuille MetaMask. Si je clique, vous allez voir, vous connectez votre portefeuille MetaMask. Ensuite, vous écrivez votre adresse ici, vous faites write et vous attendez une minute. Vous retournez ici, vous faites refresh et là, votre montant, le S-climat va apparaître ici et vous allez le voir aussi apparaître ici. Mais ici, pour le voir ajouté, il faut l'ajouter aussi manuellement l'adresse en faisant importer un token. Là. Importer un token, c'est plutôt simple. Vous allez sur leur page qui est très, très, très loadée. Ici, les adresses officielles sont là. Alors, pour le S-climat, c'est très, très simple. Il est ici, S-climat, c'est l'adresse. Okay, vous allez ajouter ça ici, l'adresse qui finit par 8, c'est 8, dans votre compte MetaMask, et vous allez le copier-coller comme ça. Puis là, ben, je me suis trompé, là, j'ai pas mis la bonne, là. Attendez un instant. Copier. Ah, ce jeton est déjà ajouté, comme vous pouvez voir, là, moi, je l'ai déjà fait. Vous faites ça, et le S-climat va s'ajouter là. OK? C'est plutôt... Ben j'essaie de garder une certaine méthode. Je vous montre tout comment faire par la suite. À vous de juste exécuter. C'est plutôt simple. Là. Je vais pas comme racheter juste pour vous montrer comment faire. Là. Je vous montre qu'est-ce qui est arrivé puis pourquoi et tout. Et si vous êtes comme dans la même situation que moi, ben vous allez pouvoir vous démerder, comme on dit. Alors ça, c'était pour quand même modifier le contrat pour voir apparaître vos S-climats. C'est ici qu'on fait ça. OK? Dans l'adresse que je vais mettre et contrat. Puis, vous avez juste besoin d'écrire votre adresse, faire write.
N'oubliez pas hein, que votre portefeuille doit être sur Polygon, Mainnet. Si vous n'êtes pas connecté sur Polygon, comme ça, vous ne pourrez pas envoyer vos USDC. Checkez avec qui vous faites affaire. Moi, j'ai utilisé Binance pour envoyer mes USDC par Polygon. Mais il y a des endroits qu'on peut pas. Je pense que BitTrue, ça fait pas. Il y a du monde qui me parle que crypto.com, hier, c'était super compliqué, là, des heures et des heures pour voir apparaître ces USDC ici, là. Et un coup que vous avez vos USDC et du Matic, excusez-moi, je parle de Matic plutôt. Les Matic, envoyez vos Matic, c'était ça le problème, là. Pas des USDC, USDC c'est facile, qui est envoyé. Pour vos Matic, c'était vraiment problématique de, c'est quasiment un jeu de mots, hein, problématique, Matic. D'envoyer ça, là, ça prenait du temps. Moi, j'ai fonctionné avec Binance, ça l'a bien été. On peut voir que je les ai reçus et ça prend pas beaucoup là, pour le gaz. Là. Très, 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 c'est peu dispendieux. On peut voir... Steak. Regardez les frais que ça coûte. On le voit pas ici, j'ai mon contrat, mais là, c'est des trucs un peu plus personnels. That's it. Pour ça ici. Fait que je sais pas si au moins ça vous aide, j'espère. C'est pas évident de faire une vidéo comme ça. Je vous dis, j'ai pris des notes, mais je vous montre l'essentiel. Je vais faire un petit retour. Très, très simple. Vous allez voir ici leur page avec les liens pour leur Discord climatdao.finance. OK, ça c'est leur site. Vous faites application ici, ça va ouvrir la fenêtre où ce qu'on peut faire affaire, comme ça ici. Vous allez être sûr que avant tout, vous avez du Matic dans votre portefeuille pour payer les frais de gaz qui sont minuscules et du USDC. Ensuite, vous allez sur SushiSwap. Lui, quand vous allez connecter votre portefeuille, il va reconnaître que vous êtes sur le bon réseau. N'oubliez pas, le bon réseau, Polygon. Les réseaux, c'est très, très simple. Faites un screenshot et c'est ça que ça prend. Par exemple, Polygon Mainnet, HTTPS, PolygonRPC.com, 137, Matic. Faites un screenshot de ça, ça aussi, ça se trouve facilement. Vous mettez ça ici, vous faites ajouter le réseau et vous êtes capable par la suite de pouvoir avoir le réseau MetaMask. Polygon Mainnet sur MetaMask. Là, avec tout ça ici, ben là, vous êtes connecté, vous allez pouvoir utiliser vos USDC. Comme qu'on peut le voir, j'en ai 462. Vous allez marquer l'adresse du contrat. Le contrat, je l'ai dit, il est ici, il y a le climat que vous allez prendre, qui finit par 7815. Vous allez prendre ça, vous allez aller sur SushiSwap et l'écrire ici. Et là, ça dit qu'il est déjà actif dans mon menu parce que je l'ai déjà ajouté. 1815, l'adresse de climat. Et pour l'adresse de S-Climat, c'est juste lui après. Juste lire comme du monde, arrêtez de vous dépêcher à vouloir tout faire en même temps. Lisez ça ici, comme il faut. Prenez pas du A-Climat ou prenez pas... sachez prendre le temps de lire. Climat, Polygon, Token, Adresse. 1815, l'adresse. Et le S-Climat que vous ajoutez dans votre portefeuille MetaMask pour par la suite être capable de voir vos transactions. Mais ils vont corriger le problème et vous serez sûrement pas obligé, pour ceux qui écoutent la vidéo dans plusieurs jours, de faire la méthode ici d'aller réclamer. Là, ils vont arranger le toute l'affaire, mais nous, vu qu'on l'a acheté hier, ben on était pogné pour faire ça. OK? Ensuite, c'est pas mal ça. Il n'y a pas grand-chose à savoir d'autre. Le prix était 2 064 $ présentement. J'attends de voir s'il rebaisse dans les 1 200 pour pouvoir acheter davantage avec le peu d'argent qui me reste ici, le 462 $. Ou j'achète à 2 000, puis comme on dit, je me la ferme, là, mais je suis pas sûr que ça me tente d'acheter ce prix-là. Même si j'ai toujours envie hein, d'avoir plus que 0,25. On va voir. En tout cas, s'il y en a qui ont des questions pour Climat, qui est un excellent projet, même si je conseille pas à personne de s'en aller là-dedans les yeux fermés à cause d'un pourcentage de 99 000 %, faites attention. Ça reste que il y a des risques dans les investissements. Et moi, je suis là pour vous le dire. Et n'investissez pas plus que qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre. Parce que si c'est de l'argent qui vous sert à payer votre épicerie et votre loyer et que vous la dépensez dans des opportunités d'affaires comme ça, ben c'est pas correct, c'est pas la chose à faire.
Alors, j'espère que ça vous a aidé. Faites-moi confiance. Regardez la vidéo une deuxième fois, une troisième fois. J'ai tout dit, même si c'est pas nécessairement peut-être facile à comprendre pour quelqu'un qui est pas très techie. J'ai tout dit, tout est là. Je vais mettre aussi quelques informations dans la description, comme par exemple l'adresse du contrat ici, ou quelques informations là supplémentaires pour vous aider à vous démêler, comme mettons aller pour Sushi Swap, des choses comme ça. Mais tout est dit, tout est là. J'espère que vous embarquez comme moi dans cette aventure-là avec Clima, qui est sûrement quelque chose qui est bien, selon qu'est-ce que je vois, la communauté tout, et le monde que je fréquente, qui sont aussi dans le même système que moi. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine vidéo, qui va être encore une vidéo surprenante. Vous savez, j'ai changé ma chaîne, maintenant mon concept. Je parle toujours d'XRP, ça c'est clair, mais je m'enligne pour vous montrer des opportunités dans lesquelles je suis, et là, je trouvais ça l'occasion unique pour vous montrer que il arrive toutes sortes d'affaires, hein, le pool qui a eu un scam hier, qui a fait vraiment foirer le lancement de Clima. Et par la suite, le développeur, un développeur qui a commencé la epoch à zéro au lieu de 1, ce qui faisait en sorte qu'on pouvait pas ici voir apparaître nos S Clima. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Au revoir, la gang.